plein de jolis sourires. Ce soir, du Brahms. En effet, après avoir enregistré l'intégrale des trios de Beethoven, la grande question était de savoir qu'est-ce qui peut venir après. Alors on a regardé l'histoire de notre trio. Et en septembre 2015, lors de la toute première répétition du trio Sora, c'est du Brahms que nous avons joué. Donc Brahms représente vraiment beaucoup pour nous et c'était évident pour nous que ce prochain album serait l'intégrale des trios de Brahms. Voici donc ce soir, en super avant-première parce que l'album n'est pas encore enregistré. Dans un mois, on sera à Grenoble en train de l'enregistrer. Donc voici le trio Opus 40, normalement avec corps, mais dans la transcription originale de Brahms pour violoncelle, puis le deuxième trio de Johannes Brahms. Merci à tous et belle écoute. Thank you.
Thank you.
Thank you.
J'ai juste oublié quelque chose de très important. C'est de parler de notre label, la Dolce Volta, et de lui faire un coucou, parce que je pense que Michael Ada est derrière son écran. C'était quand même important de mentionner ce partenaire principal pour ce projet Brahms. A tout de suite pour le deuxième trio de Brahms.
Thank you.
Merci d'avoir créé cet endroit déjà, merci d'avoir mis toutes les conditions possibles réunies pour qu'on soit bien et pour qu'on puisse jouer bien, j'espère. Pour finir, une
toute petite douceur et une pensée particulière pour ma fille que je laisse pour la première fois ce soir depuis qu'elle est née. Et je crois que le papa est en train de regarder. Alors merci au papa de garder ma fille. Merci encore à Julien, merci à toute l'équipe et on se voit après la petite douceur. Merci. Une douceur de Brahms. Une douceur de Brahms.